Monsieur le maire, un marché de Noël un peu spécial cette année parce qu'on a eu un beau feu d'artifice au château de Salles. Oui, un beau feu d'artifice, c'est le château qui renaît de ses cendres. Voilà, ça a été l'occasion. Alors l'occasion, normalement, c'est le feu du 14 juillet qui se tire à Noël, mais je crois que malheureusement, il va falloir qu'on en prenne l'habitude. Ce que j'étais en train de discuter avec ces messieurs, le chef de tiers, c'est que on sait que l'été, ce sera désormais compliqué et qu'il va falloir maintenant qu'on pense à une autre saison et que pour bien vivre, pour eux, tirer le feu d'artifice, finalement, le marché de Noël, je pense que c'est un bon moment, un beau moment. Ça complète bien le marché de Noël, qui est un élément phare maintenant de la commune, qui s'installe petit à petit et qui prend ses places. Cette année, le marché de Noël a été encore agrandi, avec un espace restauration, le marché est complètement chauffé, donc il permet à tous les gens de venir quand ils veulent. Donc je pense que coupler le marché de Noël avec un feu d'artifice, je pense que c'est le meilleur moment et le bon moment pour le faire. Et puis on a vu le public ce soir, très 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 nombreux, venir. Donc c'est un moment de rassemblement, c'est un moment de concorde, il faut en profiter. Et ce marché Noël, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors vous allez y trouver un petit peu tout ce qui est artisanat d'art, bien entendu. Quelques boissons, l'Armagnac, pays local. Et puis un peu de rhum arrangé pour le plaisir des îles. Vous allez y trouver après tout ce qui est les productions locales, de type potier, de type artisanat d'art, de type verrier, de type vêtements un petit peu, mais voilà. C'est un petit peu éclectique, l'idée c'est d'avoir un petit peu tous les artisans possibles et inimaginables sur un marché de Noël en évitant la redondance de façon à ce qu'ils ne se fassent pas concurrence entre eux.